la plus grosse on la met ici, l'autre c'est un peu moins lourd, on la met un peu plus loin, on fait ça. Après si on peut en mettre une plus petite derrière une là-bas, et puis après on va jouer devant. Donc je vais maxer ici moi déjà. Ouais, on perd bien le truc là. J'ai toujours eu tendance à prendre des pierres qui avaient des formes un peu spectaculaires, un peu remarquables, comme on dit. Et puis finalement, en voyant le matériau
dans lequel était créé Chambord, qui est une pierre qui n'est pas, qui n'a pas d'intérêt particulier. J'ai eu aussi envie de me confronter à une pierre qui est juste un caillou, et d'être capable moi aussi d'arriver à en faire quelque chose. Donc c'est des grosses patates. C'est des grosses patates qui se mettent à flirter avec le vent. Alors, ils ont te donné les clés pour Chambord. J'ai les clés du château. En maternelle, on parlait d'art plastique. Pour moi, art plastique, c'était jouer avec des plastiques, faire fondre des plastiques, construire des choses avec du plastique. Et je me suis retrouvé avec une feuille de papier et des crayons. Et je me sentais profondément trahi. Thank you.
en sculpture, enfin en sculpture, dès qu'on travaille en trois dimensions, dès qu'on est en trois dimensions, des problèmes sur quelque chose de quelques centimètres et des problèmes sur quelque chose d'un mètre ou deux mètres, sans parler des poids, sont plus du tout les mêmes. Donc on est dans un autre domaine. Il faut que je creuse un peu pour que ça soit stable. Ouais, c'est ça, et quand je dis aïe, c'est ça.
vois, t'as la musique dans toi. Ouais, mais je suis pas musicien. C'est un copain belge qui a trouvé ça sur internet. Ça brûle pas les graisses, t'es pas obligé d'attendre que tu peux rajouter du bois autant que tu veux. Donc tu brûles pas les graisses, donc tu brûles pas la viande. T'es pas obligé d'attendre que le charbon de bois ait fini de faire des flammes. Et tu peux mettre du bois, du petit bois mort. Je m'achèterai un Steadicam pour la prochaine film. Avance un peu. J'ai envie de rester dans l'instant où, par exemple, une pierre se fissure et casse. Et ça va très vite. Et j'ai envie de garder cette énergie-là qui est finalement le moyen d'expression de la pierre qui est le plus proche de notre temporalité. Et après tout le boulot, c'est de la garder, de la mettre en évidence. Même si parfois je suis obligé d'intervenir pour arriver à mes fins, en général je me débrouille pour que ça soit le moins lisible possible. Que ça soit surtout pas mis en avant, c'est pas le sujet. Bah, c'est en train de s'affaiblir du barré tout ce qui est pourri. Hein. C'est pas plus mal. Chercher des essieux avant, des vieux essieux avant de camion pour faire tourner des cailloux. J'ai trouvé un garage qui va jeter des trains avant de camion et donc voilà, on va les récupérer. Yeah.
C'est cette pierre-là qui va être retournée et qui va supporter une autre grosse pierre, la grande pierre qui est là. Qui va être devant normalement, si j'y arrive. Il va tourner un peu incliné comme ça. Donc il y a la grande pointe comme ça et l'autre va tourner dessus comme ça. Et tout l'ensemble va tourner, il faut que je trouve encore un support, je n'ai pas décidé. Voilà. C'est pour plus tard. C'est lourd. Très lourd. Ouais, il est grand celui-là. Oui, oui, c'est pour ça, ça va faire une grande pièce, ça va être beau, je pense. Pèse combien, tu sais? Pas trop. Au moins 4 tonnes, là-bas 3 tonnes. Il y aura 7 ou 8 tonnes au total, 9 tonnes. En fait, il les a récupérés dans l'usine. Il les a pas pris là-bas. Et je pense qu'ils sont pas allés parce que ça bastonne en ce moment en Tunisie, dans certaines régions, et qu'ils voulaient pas y aller. C'est pas du tout les pièces que tu as choisies là ? Non. Ah oui. Mais ici, certaines. Juste ouais. Certaines qui étaient quand je suis allé à l'usine juste avant de partir. Mais tous les blocs là, c'est pas du. Non, non, il m'a vraiment donné. Bon, tu me diras, j'ai récupéré des blocs qui ont plus de valeur parce que c'est des blocs qui étaient partis pour de la scierie. Mais il y en a un ou deux, si tu veux. Le reste, c'est. En fait, ils en ont plus parce que tout est bloqué depuis la Révolution. As a structure of the work. You can understand the history if you look very closely. Here, here, and here. You can see the telltale mark of an ancient civilization who probably used this very rock to make a sacrificial and offering to the god. Thank you.
la mise en œuvre de toutes ces sculptures, c'est comme de la gestuelle. Sauf que ça paraît paradoxal avec des masses pareilles. Mais finalement, c'est de cet ordre-là. Et finalement, à chaque fois, un projet se fait quasiment, j'irais dire, presque dans l'instant. Et l'idée, finalement, dans la réalisation, c'est d'arriver à ne pas détruire cette instantanéité. Je pense que le mouvement permet aussi, finit par aussi s'imposer parce qu'il permettait justement aussi de garder cette instantanéité. C'est-à-dire que c'est jamais, à partir du moment où ça bouge, c'est jamais deux fois la même chose. Mm-hmm. C'est jamais dans la même position, c'est jamais. Il y a un paradoxe, mm-hmm. mais qui donne une vie en fait. Est-ce que tu sais le total de tout ce que tu amènes à Chambord ? En poids ? Oui. Non, je n'ai pas calculé encore. C'est quoi, 50 tonnes à peu près ? Il y a 19 sculptures. Peut-être pas 5. Ah oui, c'est bien possible qu'il y ait 50 tonnes. 50 ou 60 tonnes même. Mmh. Oui. Ça, c'est l'ardoise d'Angers, la pièce qui est là. Et derrière, encore une ardoise d'Angers. Le carré là. Ouais, le carré. En fait, ça va bien avec. Il y a plein de petits bouts d'ardoise d'Angers dans le château de Chambord. Ils ont fait des décorations avec. Du calcaire qui a servi pour faire les fondations de Chambord. Le dessus, tout ce qui est sculpté, c'est du tuffeau. Mais les bases sont en calcaire. Qui peut parfois être très dur. Attends. C'est bon.
Elle bouge, dis donc. C'est là que ça fait chier. On va chercher le marteau piqueur. Ça, c'est du granit de Bretagne, Bruce-Villy, à côté de Saint-Malo, qui est une carrière que je connais depuis quasiment mes débuts, depuis 88. Et de la ferraille. Je ne sais plus trop d'où elle vient. Petit granit dentine qui est en fait un calcaire. Ils appellent ça petit granit parce qu'il y a une petite brillance. Mais en fait, quand on regarde à l'intérieur, c'est bien calcaire parce qu'il y a des fossiles dedans. Ça aussi, c'est de la lave de Volvic. De quoi? Volvic. Volvic. D'où vient l'eau? Ouais. Oui, d'ailleurs, les eaux empêche les carrières de se développer parce qu'ils gagnent plus d'argent que les pierres. Carrare, à côté de, en Italie. Colonnata, exactement, la carrière de Colonnata à Carrare. C'est des blocs qui viennent d'une carrière souterraine et qui était abandonnée dans un coin de la carrière, donc ils faisaient rien, mais qui sortaient pas parce que c'était compliqué de les sortir de la carrière. C'est bon ?
En fait, je voudrais un jour faire, ou alors si j'ai vraiment le courage, c'est que celle-là, elle sera dans l'autre sens, ouverte, et celle-là, elle sera dressée au milieu, comme ça, et elle va tourner, les deux vont tourner en verticale. Avec celle-là. Ouais. Je sais pas, c'est parce qu'on en discute, j'y pense. Mais je sais pas encore. C'est vrai qu'elle est vraiment belle celle-là. Ils viennent d'où ? De Roumanie. Ça sera un petit sculpture. C'est parce qu'il faut reculer chouïa. Recule un peu. Show me where my rock and roll has gone. I don't know where my rock and roll has gone.
don't know what to do without it. I just can't seem to get along. Show me where my rock and roll has gone. Faire de la sculpture, mais pourquoi? En fait, parce que j'ai envie d'exister. Et donc, comment j'existe par rapport à tout ça?